La présidentielle de 2025 déjà relancée en Côte d'Ivoire et le président Alassane Dramane Ouattara toujours à Paris. Que prépare Alassane Ouattara en attendant le dernier délai prévu pour la commission électorale indépendante en RGCI et son retour triomphal en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara profite de sa démission. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire, le PDC RODA, renforce ses rangs un succès. Salué lors des journées d'intégration des nouveaux militants et sympathisants du 15 au 17 août 2024, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RODA, de Tizentem, a organisé des journées d'intégration destinées à ses nouveaux militants et sympathisants. Ces journées marquées par une participation enthousiaste se sont achevées sur une note particulièrement positive, comme l'a souligné Diabou Fouet, député de Yopougon et secrétaire exécutif en charge de la mobilisation lors d'une conférence de presse à la maison du parti à Abidjan, Cocody. Diaoufouet a exprimé sa gratitude envers la direction du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire pour cette initiative, rendant ainsi un vibrant hommage appuyé au président du parti, M. Tidjane Thiam. Selon lui, ce dernier a su insulter une nouvelle dynamique au sein du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire, du PDC RODA, une nouvelle dynamique attirante, un nombre d'expressionnantes, de nouveaux militants et sympathisants depuis l'élection présidentielle de Tidjane Thiam à la présidence. Plus de 26 000 nouveaux membres ont rejoint nos rangs. S'est-il réjoui au FO, parlant de la démission d'Alassane Ouattara qui fait déjà les bruits en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux adhérents ont bénéficié d'une formation approfondie sur les valeurs et les idéaux du parti durant ces journées. Alassane Ouattara doit-il démissionner? C'est la question qui nécessite de revenir en Côte d'Ivoire. Ces journées d'intégration avaient pour objectif triomphal de familiariser ainsi les nouveaux militants et sympathisants avec l'organigramme, le fonctionnement interne et les attentes du PDC RODA. Notre parti politique se distingue par ses valeurs de paix, de dialogue et de discipline. Nous avons veillé à ce que ces principes soient bien compris pour faciliter leur intégration, a affirmé Diabou Fouet. Lors de son intervention, Diabou Fouet a rappelé les 7 piliers fondamentaux du programme de M. Tidjane Thiam. Ce programme ambitieux vise à la restructuration et la modernisation du PDC RODA, le renforcement par celle de sa vitalité interne, et ainsi qu'un ancrage territorial annoncé en Côte d'Ivoire et social plus profond. Il met également l'accent sur une préparation rigoureuse aux échéances électorales, un geste optimiser des élus locaux, une communication renforcée, le développement de partenariats politiques stratégiques et un repositionnement par celle du PDC RODA sur la scène internationale. Les dernières nouvelles s'annoncent toujours très tendues entre Alassane Ouattara et la France. Concernant sa démission, le samedi 17 août dernier, journée de clôture a été consacrée au cadre pour collaborateurs du parti et a réuni plus de 3000 participants. Selon Diabou Fouet, cette initiative sera entendue à l'intérieur du pays pour toucher un plus grand nombre de militants et sympathisants. Le PDC RODA est profondément enraciné dans des zones rurales où vit la majorité de nos militants et sympathisants, a-t-il précisé. Tout en encourageant les nouveaux membres et sympathisants à signaler toute anomalie à la direction pour assurer le bon fonctionnement du parti politique. Pour conclure, Diabou Fouet a salué les efforts de Tidjane Thiam pour la digitalisation du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire du PDC RODA et la promotion de sa vision pour l'avenir de la culture de la Côte d'Ivoire, invitant ainsi les Ivoiriens à rejoindre massivement le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI.